commence le vlog, le weekly vlog, dans ce mood, parce que je m'apprête à aller me laver, faire mes soins et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et ce weekly vlog, c'est le vlog avant le départ en vacances, parce que oui, je m'en vais en vacances. 2 ans de pandémie, ça y est, c'est bon, ça a eu raison de moi. I'm not clearly living this life. I'm taking my vacations. I'm taking my holidays. Je prends tout. Parce que là, deux ans. Bon, c'est vrai. Je ne peux plus sortir du Canada, comme je vous l'ai expliqué dans le vlog que vous allez voir, pour les raisons que vous allez comprendre dans le vlog là-bas. Mais au moins dans le Canada, on peut quand même faire de quoi, parce que le Canada, c'est quand même un pays vaste. Donc, on va faire de quoi. Donc là, je dois aller m'occuper de mon corps. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez commencé à me suivre quand j'avais beaucoup de problèmes sur ce visage que j'étais en train de traiter. Il y avait des taches, les gens me faisaient souvent les remarques et tout, et tout, et tout, tout. Et puis, rendu là, 8 mois plus tard quand même, presque, voire plus, les taches s'estompent. Donc, vraiment, une routine soin, c'est vraiment la patience. De toute façon, je l'explique un peu plus tard dans ce même vlog. Alors, donc, on se retrouve dans ma salle de bain. On va nettoyer un peu tout ça. Et voilà, tu peux mettre notre masque derrière. Donc là, je vais commencer avec mon masque. Ma routine, avant de me laver, je le mets 20 minutes avant mon bain, le temps que ça fasse quelque chose, parce qu'après sous la douche j'ai mon gel, mon facial cleanser avec du citron et c'est ça, j'en mets juste comme ça et on top je vais rajouter l'acide hyaluronique. D'habitude j'utilise l'acide lactique, je pense que je vais aller avec l'acide lactique. Acide hyaluronique, c'est bon, wesh, j'en ai à peu près dans tous les autres produits que j'utilise, donc j'aurais dû l'ouvrir avant. C'est un peu trop liquide, on va rajouter un peu de poudre. Je dois quand même être fraîche avant de partir en vacances. Il faut que quand je revienne, que je... Donc, je mets sur mes taches. Mais en vrai, mes taches se sont estompées. Hein. J'en avais plus que ça, là. Vraiment... Le seul qu'il y a, c'est vraiment la patience. C'est vraiment prendre le temps pour voir les résultats. Si tu te dis que tu vas les voir rapidement, tu es dans l'indemne. Et c'est là que tu abandonnes, genre. Parce que vraiment, le masque de grossesse, la grossesse m'a rendu laide. Ha! Et j'avais tellement la flemme de m'occuper de moi en plus. J'avais tellement la flemme, genre, quand j'étais enceinte, là. Oh, et après, le postpartum, purée. Attends, nous dire de faire les masques alors que je dors déjà pas la nuit. Oh, c'était pour me tuer. Fait que j'ai vraiment recommencé à traiter mon visage vraiment, vraiment, vraiment quand ma mère est venue en février et Raphaël était rendu à quoi, 5-6 mois.
Et imagine, tu as d'abord laissé pratiquement 9 mois, voire plus, ta peau se dégrader pour pouvoir récupérer ça. Et donc, ça, je laisse 15-20 minutes. Après, je vais aller prendre ma douche. Et quand j'ai fini ma douche et tout, avec des lingettes, parce que je ne vais pas le faire dans la caméra, je vous montre vite fait. Avec des lingettes, je lingette. Mon Mario Badeshu, qui finit même déjà bientôt. Je nettoie, je s'enlève les dernières impuretés que, mettons, mon gel, ma douche n'aurait pas enlevé. Au-dessus de ça, ensuite, je rajoute ça c'est la même marque que mon facial cleanser que j'utilise sous la douche. Donc, ça déloge les taches et tout, Ensuite, j'utilise mes lingettes exfoliantes avec du citron pour, si jamais Mario Badeshu a oublié quelque chose, ça, ça n'oublie pas. Et masque pour dormir la nuit. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour traiter le visage. C'est masque de nuit à base de gel avec la vitamine E et c'est hydratant. Donc, le combo là, je l'emmène en vacances. Donc, il faut que samedi soir, je le mets dans ma valise. Donc, voilà. Là, on va attendre 15 minutes. Vous, comment vous allez? Là, je profite en fait parce que je me suis faite toute belle pour la création contenu. Pour faire aussi un petit coucou dans mon vlog. Je voulais reproduire un make-up que je vais essayer de vous mettre là. J'ai essayé avec ce que j'avais, avec ce que je pouvais, au mieux de mes capacités. Et donc on se retrouve pour une nouvelle journée dans le vlog. C'est mon avant-dernière journée de travail. On est jeudi. Ma dernière journée de travail, c'est demain, vendredi. Ouais. Donc, ceci est mon avant-dernière journée de travail avant d'officiellement débuter les vacances. Il y a un beau soleil, mais il fait tellement froid dehors. Je vais me mettre un peu comme ça parce que je veux un peu que vous voyez. Donc, c'est ça. C'est jeudi, ma dernière journée de travail. Et je suis en train de profiter pour tourner du contenu parce que, comme je vais aller en vacances, j'ai pas envie de avoir à tourner des vidéos pour ma chaîne Immigration YouTube. Donc, je suis en train de vous la filmer une vidéo pour la prochaine vidéo qui sortira. Je sais pas si pendant que je fais ça, c'est déjà sorti ou pas. En tout cas, je vais essayer de mettre le lien si c'est déjà le cas. Et donc, c'était un peu le look que j'ai dans cette vidéo-là. Parce que j'ai profité aussi, j'ai fait des photos pour Instagram, que vous pouvez d'ailleurs voir sur mon Instagram. D'ailleurs, pourquoi tu ne me suis pas encore? Pourquoi tu ne me suis pas? Là-bas, je suis active quand même. J'essaie d'être active à tous les jours. Même si je ne poste pas des stories, je poste toujours quelque chose pour, like, you know, entertain. Like, because all this life is about entertainment. Et donc, oui, voilà. Là, je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que j'ai juste ma petite pause de 15 minutes. J'ai profité pour chauffer mon lait, faire mes tartines, faire un peu cette petite vidéo. Parce que à ma pause, je vais profiter pour tourner la vidéo dont je parle. Et ensuite me laver. Parce que je ne compte pas rester comme ça toute la journée, quand même. Allez, tchuss! Hey, welcome guys! C'est pas vraiment top là, mais voilà à peu près la température, le climat qu'on a dans ma rue. Look what we have here! Mon colis FedEx est arrivé! Je vous avais dit que j'avais commandé... est-ce que je vous avais même dit ça? J'ai commandé des affaires pour une fête en été. Le thème Gatsby. Et ça, c'est ma robe et les accessoires. Allez, on va découvrir. Toi, tu jubiles. Qu'est-ce qui te concerne ici? Ça, c'est la robe. On va commencer par les accessoires. Alors, ça, c'est le collier. Ça, c'est le collier blanc. À chaque fois que je mets quelque chose, je vais vous mettre la photo de Shein à côté. Ça, c'est le chapeau avec son voile. Ça, ce sont les gants. Les gants noirs. En fait, en quoi ça te concerne?
Ça, c'est ma nouvelle coque de téléphone pour les vacances. Je l'ai avant le temps. Hein? Va jouer en bas. Va jouer en bas. Regarde. Va jouer. Et ça, c'est la robe. Ça, c'est la robe. Je ne sais pas. Tu allais découvrir après. Non, vous allez découvrir. Est-ce que les deux blancs se valent? Pas tant que ça, mais c'est ça. Voilà. I don't need you, you. I don't need you, you. Yeah. I need a new apartment, my own safe haven, and not the dump you live in. I don't need you, 'cause I got high ambitions, a boss vision. I'm granting all my wishes. I don't need you, 'cause you've been blocking me. Releasing inhibitions. I don't need you to come crawling back to me to tell me that you're sorry. I'm better now, I'm happy. I don't need you, 'cause you've been blocking me and you've held me back from day one. Always kept me down so I couldn't fly on my own. Used to think that being single was being alone. Now I know I don't need. Vous, on est samedi, j'ai envie de regarder un peu la télé, j'ai envie de regarder un Nigerian movie, so je m'apprête à m'installer devant YouTube, attendez, regardez. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Close Enough to Love, 2 weeks ago, My Love Anyway. On va essayer ça. Moi, j'aime beaucoup les films nigériens. Je regarde ça depuis que je suis en classe de 3e. Il y a une bonne douzaine d'années. Non. Hey! Il y a 19 ans. Parce que c'est l'âge de ma soeur. Hey boy. Presque 20 ans que je regarde les films nigériens. Et I love it. So, on se retrouve après. On va arrêter où? Chez laquelle on va arrêter. Voilà. D'accord. Okay, c'est good. Donc là, on prend la route pour Victoriaville. Parce que le départ pour Toronto va se faire de Victoriaville. Demain matin? Oui, demain matin. J'espère qu'ils auront déneigé suffisamment les autoroutes. En tout cas, on va rouler vraiment tranquillement. Comme deux peureuses que nous sommes. Daniel, es-tu peureuse au volant? Moins que moi, mais on est peureuses parce que nous sommes des mamans. Qu'on aura nos enfants avec nous. Enfin, le truc, c'est que ça peut te couper les jambes. Ça peut déchiqueter en fait un enfant, une personne au complet. Et je ferai vraiment mes ongles à Toronto. Là, je like. On a eu trop tard de toute façon. Ouais, Daniel a fait les siens hier. Hein?
t'as le droit de fermer. Ouais, c'est fermé le dimanche. Daniel a fait les siens hier. Elle doit en profiter pendant qu'elle est en vacances. Moi, je peux aller comme ça. Tu veux passer par où, en fait? Si tu veux faire passer par la route légume, ça va pas plus vite. Parce que c'est ça que j'avais pris quand moi j'étais allée, fait que... En tout cas. Donc, je vous reprends quand on va être au restaurant. Parce que ça, c'est mon journal de bord. Une vingtaine de minutes? Ok. Dans une vingtaine de minutes, on va être au restaurant. C'est le journal du bord de voyage. Non, pas du voyage. Ça, c'est le journal du bord, de bord du vlog d'avant le vlog de voyage. Donc, on se reprend au restaurant. Ça sera certainement un McDo. Quelque chose du genre. Ouais, Tim Hortons. Ouais, Tim Hortons, c'est bien. Non, McDo, parce que Raphaël peut manger des frites. Ouais. Chez Tim Hortons, tu peux prendre des quartiers de patates. Ouais, mais bon. En tout cas. Ok, regarde par là. Non, c'est je sais pas quand tu me dis de regarder là, toi-même, tu es concentré sur la route. Hein. Mais j'espère que ma caméra a capté parce que moi j'ai rien vu. Qu'est-ce que tu voulais que je regarde? T'as passé trop vite. S'arrêter, sortir, manger dans un restaurant. Et puis de toute façon, on est déjà rendu chez mon ami Daniel. Je vais manger là-bas. Je sens qu'elle a fait un plat camerounais qui va me mettre le cœur en joie. Donc, moi, je vais manger là-bas. Raphaël va manger ce que je mange. J'ai pas envie de manger les nourritures de plein là aujourd'hui. Non, Raphaël, quand même. Quand que tu vas trop t'attacher à quelque chose, elle va prendre autre chose. Et qui est Raphaël? De quoi ici là? Tu peux on va manger les pâtes jusqu'à on va avaler nos langues comme dans les bobodus. Donc tu es avec nous à Toronto, non? Ça va cuire! Que la vie! Mais